ma collègue, on a mis en place une permanence au Parvis des Essarts pour des prélèvements Covid, le PCR. Donc c'est en accord avec M. Harpin du laboratoire Grialis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les prélèvements, on ramène tout au laboratoire et c'est eux qui vous donneront les résultats. Il faudra rappeler 48 heures après. On fait des permanences du lundi au vendredi, de 9h à midi, au Parvis des Essarts. Avec les tests antigéniques, ce sont des tests en fait rapides. En 15 à 20 minutes, vous avez le résultat pour savoir si vous avez le Covid. Donc un test antigénique qui se diffère du test PCR de laboratoire, qui se fait sur une plaquette réactive, un petit peu de la même manière qu'on fera un test de grossesse, même tout simplement. À qui s'adressent ces tests? Massivement à une population qui présente des symptômes récents, moins de 4 jours. Les patients que nous pouvons tester, ce sont des patients qui ont moins de 65 ans, qui ne présentent pas également de multiples pathologies à risque, ni les femmes enceintes, bien évidemment, et les personnes qui n'ont pas été déclarées déjà cas contact par la Sécurité sociale. Ces tests se réalisent par un prélèvement nasopharyngé, comme la PCR. Le test se présente en 3 parties. Il y a la partie dépôt, où on va déposer donc le tampon qui contient l'échantillon test. Ensuite, sur la première partie, on va avoir donc une bande test qui permet de voir si c'est positif ou pas, et au-dessus, une bande de contrôle qui permet de vérifier le bon fonctionnement du test lui-même. On a organisé la prise de rendez-vous par téléphone tous les matins et les gens peuvent venir se faire tester tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h. Donc on fait que des créneaux sur rendez-vous. Personnellement, j'en fais 3 jours par semaine et avec une fréquence de 20 minutes à peu près à chaque fois entre chaque patient, le temps de tout bien remplir, bien expliquer, faire le test correctement, remettre les résultats. On ne testera surtout pas les cas contacts.